c'est une rencontre politique d'une importance capitale qui va permettre à nos deux formations, qui d'ailleurs partagent le Benno Bokk Yakar, mais ayant pour objectif de plus renforcer les liens dans une dynamique de travail qui va faire focus d'abord à l'échelle communale, mais aussi donc qui cible donc l'échelle nationale. Le périmètre communal Saint-Ligien est un périmètre nain, un périmètre non viable. Aujourd'hui, je pense que en raison des ressources dont regorge cette ville, il est normal d'étendre le périmètre communal de la ville de Saint-Louis. C'est faire justice, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre être demain une ville qui va porter un peu la croissance dans ce pays-là et être dans ce périmètre communal qui est restrictif. Aujourd'hui, l'intelligence voudrait que les communes qui avoisinent la commune de Saint-Louis s'asseyent autour d'une table, discutent pour trouver des solutions qui sont au-delà de Saint-Louis, mais des solutions qui vont impacter par rapport au développement de ces communes. Donc, l'heure est venue aujourd'hui de se pencher sur l'extension du périmètre communal de la ville de Saint-Louis. L'autre aspect que je vais ajouter, c'est doter notre ville d'un statut spécial. Saint-Louis doit être érigé en tant que localité à statut spécial. Il faut que l'Assemblée nationale de ce pays légifère dans ce sens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures à Saint-Louis doivent être en volée, qui doivent être développées. Les infrastructures routières, les infrastructures maritimes, fluviales, mais aussi le hub aérien. Mais pour cela, il faudrait quand même donner vers notre ville un flux financier important.